J'étais pétrifiée. Et en même temps, tout s'expliquait. Je lui ai demandé de me ramener à la gare et lui aussi, il avait l'air complètement bouleversé. Il m'a demandé mon numéro de téléphone, il m'a dit qu'il m'appellerait et il l'a fait le soir même, dès que je suis rentrée chez moi. Elle a dit mou ? Non, mais je la connais depuis très longtemps, je sais exactement ce qu'elle a voulu dire. Donc elle a pas prononcé mou, mou ? Non ! Ah bah tu vois, t'interprète. Attends, ça t'énerve pas, toi ? Tout le monde dit depuis 10 ans dans notre dos qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre et toi, ça te fait rien. T'aurais pas aimé qu'on te prévienne. Mais qu'on prévienne de quoi ? Je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Hmm ? Vous êtes bouché ou quoi ? Je vous ai déjà dit qu'il y avait déjà quelqu'un auprès du corps. Je suis sa femme. C'est à moi d'être auprès de lui. Non, je vous ai déjà dit que ça n'était pas possible. Je vais le voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je crois qu'on devait bloquer la sortie de l'école. Oh putain. Tu m'aimerais toujours si j'avais plus qu'un seul sein ? Oh, bien sûr. C'est quoi ? Si j'avais plus qu'un seul sein. Bah, pourquoi t'aurais plus qu'un seul sein ? Bah, parce qu'on m'en aurait enlevé un. Et pourquoi tu veux qu'on te l'enlève ? Bah, parce que j'aurais eu un cancer. Oh, d'accord. Moi, je me débrouille pour te respecter. Soit je vois mes ex sans toi, soit t'es avec moi, mais alors tu sais même pas que le type avec qui tu passes la soirée m'a déjà sauté. Très élégant. Très, très élégant. Qu'est-ce que vous faites là ? J'avais oublié le dossier de terrassement pour le rendez-vous avec le conseiller municipal. Vous avez perdu la tête ?